J'ai 4 jours de congé, puis je vais les passer ici, sur le bord de ma piscine, dans les bras de la femme de ma vie. Mais t'oublies une chose, mon amour, c'est que la femme de ta vie, elle travaille à Montréal demain. Ah oui? Mm-hmm. On va en profiter aujourd'hui. Mais t'avais promis à Marie-France que t'allais l'aider à déménager. Tu te souviens pas, tu avais dit que tu trouverais un camion? Un camion? Ben oui, mais à 3 valises! Ben oui, c'est parce que là, elle a décidé de prendre les miroirs dans le vestibule, là, puis ton fauteuil dans ton bureau. Le fauteuil de mon bureau? Ben oui, le fauteuil dans ton bureau. Ben, pauvre petite fille, elle a un grand salon, pas de fauteuil. Ah oh, non. Là, un instant. Hein? Là, on s'est pas compris. Hein? Elle m'a cassé les oreilles tout l'été avec sa sacrement d'indépendance. Tu veux m'en aller? Tu veux mon appartement? Tu te rappelles, Suzy? J'ai été obligée de me battre avec elle pour aller voir cet appartement-là. Sauf que là, mademoiselle a décidé qu'elle prenait mes meubles. Hein? Le fauteuil de mon bureau, le miroir qu'elle m'a donné en cadeau il y a 2 ans. C'est ça qui m'énerve. Ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est jamais pareil. T'as raison. Je suis le téléphone. Comme on en a 5, j'ai pensé qu'elle pouvait prendre celui de la terrasse. Oh, Suzy. Tu lui as donné le téléphone de la terrasse? Ben oui, j'ai donné le téléphone de la terrasse, puis. Ces histoires d'enfants-là, une chance que c'est fini. Allô? Tu vas l'entendre gueuler. Occupe-toi pas de ça. Dans un instant. Non. Là, vous allez me remonter ça en haut. Mac, t'es en ville? Francis, touche pas au miroir! Non, imagine-toi donc que ma fille déménage. En pêche? Avec Bob Martin? Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça? Ouais, OK. Demain matin, 5 heures. Salut. Bon, toi, il faut que je te parle. Là, le divan monte en haut, le miroir bouge pas, puis le téléphone non plus. Hey, le miroir, c'est moi qui te l'ai donné. T'en as même pas besoin. Ben, justement, tu me l'as donné. Bon, ben, décidez-vous, là. Hey, fais pas le cheap, OK? J'ai dit non. T'es de bonheur sur le piton, Balloon? All right, buddy! Trêve la grande aventure, Marc. Tu commences à bonheur? Non, y en est pas question, là, pas en auto. Va pas ton concert de party, là. On va avoir le temps en masse en camping. Bon, il se passe encore, capitaine. Non, pas Bob, on va te laisser ramer. Oh, dis fou. On se fait demander à quel bout de la ligne qu'est le poisson. Alors, mesdames, messieurs, la nouvelle du jour, le journaliste André Simon serait de source sûre que Marc Gagnon serait sur le point d'être congédié du National. On va prendre quelques appels en ondes pour essayer de commenter cette rumeur-là visant à dire que Marc Gagnon ne serait plus le coach du National. Oui, bonjour, on vous écoute. C'est des rumeurs. C'est un gars que tout le monde aime à Québec, c'est Marc Gagnon. Marc Gagnon est intouchable. Simon, fucking bastard! N'importe quoi fait monter ses cotes d'écoute, hein? C'est peut-être en période de sondage, là? Ouais, mais habituellement, avec l'automne mal, il y a des bons contacts. Ils se trompent pas souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Veux-tu qu'on reparte? Ouais, me consomme pas mon voyage de pêche. Ouais, ouf, ça. Et c'est à 10h ce matin qu'on va voir Maurice Pinard, le directeur général du National, qui jusqu'à présent s'est refusé à tout commentaire, mais en attendant, de retour à notre programmation musicale. Fanchin! Je pense qu'on serait mieux de pacter, petit. Pinard. Ah ouais, direct aux collisions, on va en avoir le cœur net. Bonjour, Marc. Veux-tu boire quelque chose? Hey, niaise-moi pas, OK? C'est quoi cette rumeur-là? Ça allait, vous avez eu une réunion, vous avez discuté de mon contrat? Oui, Marc. On a discuté de ton contrat, mais c'est parce qu'on a discuté de l'équipe. Voyons donc.
Tu sais bien que c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en toi. Non, vois-tu, c'est parce que le National plafonne présentement et il y a un commentaire qui est sorti à l'effet que Marc Gagnon, son temps est peut-être fini. Alors, la discussion a commencé là-dessus et puis je t'ai défendu, voyons donc. Hey, on peut pas aller vers la Coupe Stanley avec un nouveau coach. Comment ça, un nouveau coach? Alors, j'ai demandé le vote pour pouvoir te reconfirmer dans ton poste. Ben voyons donc. T'as pas d'affaire à me reconfirmer dans un poste que j'ai déjà? Qui c'est qui a parti ça, cette marde-là? Non, non, Marc, c'est confidentiel, ça. Écoute, on va sortir d'ici, puis on va faire un front commun avec les journalistes, puis on va oublier ça, d'accord? Non. Là, Pinard, tu vas mettre tes cartes sur la table, parce que s'il y en a un seul à cette réunion-là qui pouvait parler contre moi, c'est toi! Ben voyons donc, Marc, tu sais bien que tu peux compter sur ma confiance. Pinard, prends-moi pas pour un deux de pique. Dis-moi-les donc franchement que tu veux ma démission, parce que tu sais très bien que si on fait pas les séries l'année prochaine, c'est toi qui vas la perdre ta job! La confusion totale chez le National suite aux déclarations contradictoires et successives de Marc Gagnon et de Maurice Pinard. Et il serait dans l'intérêt de tous les amateurs de hockey de la vieille capitale que ce différend-là se règle le plus tôt possible. Et la nouvelle concernant la démission de Marc Gagnon fait tout un remous parce que depuis ce matin, il y a déjà un mouvement de boycottage des billets de saison qui a été amorcé et les bureaux du National sont inondés de coups de téléphone de la part d'actionnaires qui veulent se faire rembourser leur part. Tu viens pas souper? T'avais pas besoin de revenir. Qu'est-ce qui se passe avec le National? As-tu été congédié? Non, il ose pas, mais ça en est parti pour ça. J'écoute la radio. T'as beaucoup de support, t'es pas tout seul. Moi, je le sais, mais si je fais juste m'accrocher à ma job, c'est sûr que ça va recommencer aussitôt que l'équipe va aller mal. Non, non, c'est pas compliqué. C'est moi ou Pinard. Tu peux pas coacher si t'as pas la direction derrière toi. En tout cas, t'avais pas ces problèmes-là avec Guilbeault. Hein? Monsieur Ferguson. Pas de commentaire. Qu'est-ce que vous... Un du comité de direction. Marc, faut se parler. Allô, c'est... Ça brasse en ville. On est inondé d'appels de gens qui veulent se faire rembourser leur part dans le National. Autrement dit, la mare des poignets. Parce que le monde est sûr qu'on veut te forcer à démissionner. T'as rien qui est avec moi? Es-tu avec moi? Oh, Marc, je suis avec toi 100%. Mais il faut que tu t'assoies avec Pinard et que vous régliez vos problèmes. C'est lui, le directeur gérant. Il faut que vous fassiez la paix, surtout devant la presse. Pinard pourrait commencer par s'excuser. Je pensais que demain, on pourrait faire une conférence de presse. On nie toutes les rumeurs, mm-hmm. On serre à la main en faisant semblant de sourire. Puis après, on règle nos problèmes, en famille. Non, non. On va commencer par renégocier mon contrat. Ça me prend un appui public de la direction ou un changement de direction. Après, on fera semblant de serrer à la main. Marc, je... pas certain que la ligne dure ce soir. C'est à prendre ou à laisser. Bon. On va faire ton message. Je pense que t'es mieux de sortir par en arrière. Tu trouves pas que t'y vois un peu raide?
Écoute, Suzy, j'ai passé 17 ans de ma vie avec le National. Je vais pas revenir par la porte d'en arrière en m'excusant de faire du trouble. C'est fini, ce temps-là. Ben oui, je le sais. Monsieur Templeton, j'ai rien à dire. Rentre, Marc. Salut, Suzy. Marc, on peut se parler en privé? Ouais, pas de secret pour ça, une suite. Marc, on est des amis depuis longtemps, hein? Je viens de voir parce que je ferais rien sans savoir. Enfin, pour moi... Qu'est-ce qu'il y a? Pinard vient de m'offrir le poste de coach du National. Tu vois, Suzy, c'est ça, là, OK. Quand c'est pas toi, c'est un autre. Puis le monde est prêt à faire n'importe quoi pour un meilleur job. Même tes supposés meilleurs amis. Non, Marc, c'est pas comme ça. Volontiers à Pinard qu'il avait un goon comme coach et de ses affaires. Marc, j'avais pas besoin de venir ici. Mais c'est ça, crisse-moi dans ton camp! Marc, tu réalises-tu que c'est ton ami? Des amis comme ça, j'en ai pas besoin. OK, s'il vous plaît. Depuis que je suis dans le hockey, j'ai toujours passé ma vie avec la Nationale de Québec. J'ai toujours essayé de servir les meilleurs intérêts du club. Je pense que le National, de la façon qu'il est dirigé présentement, n'a plus besoin de moi. En tout cas, c'est ce qu'on m'a fait sentir. Vous vous demandez probablement si j'ai été congédié. Disons que j'ai signé ma lettre de démission un matin puis que je ne le regrette pas. Dans les conditions présentes, ça ne m'intéresse plus de coacher le National. Je vais vous laisser poser des questions au nouveau coach, M. Templeton, et au directeur gérant, M. Pinard. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Ouais. Ben, Lulu, je te gage 25 ans qu'un autre club va l'engager avant le début de la saison. J'y souhaite, Marc, c'est un chum, puis je serais bien content pour lui, mais je te gage un brun, moi, qui reste sa tablette. Ils n'en veulent plus des gars comme Mac dans la Ligue nationale. La game a trop changé. Suzy, je sais pas si je vais être capable. On dirait qu'il n'y a plus rien devant moi. C'est comme si je servais plus à rien. Et tout laisse croire que les Pingouins de Pittsburgh qui viennent de congédier l'entraîneur Harry Peterson seraient sur le point d'offrir un contrat à Marc Gagnon. Rejoint au téléphone, le directeur général des Pingouins, Philip Stapleton, a cependant refusé de commenter cette rumeur. Et puisqu'il est question de rumeur, il y en a une autre qui envoie Marc Gagnon diriger les Canucks à Vancouver. Comme ça, c'était il y a deux semaines, j'ai pas encore su d'appel. Très longtemps. Alors, moi, on parle de toi? Le voltigeur canadien Larry Walker a cogné son premier grand chelem en... Marc, tu bois trop. Ah, je sais ce que je fais. Écoute.
Écoute, si tu cherches quelqu'un pour te prendre en pitié, tu sais que t'es mal tombé. Hein? Qu'est-ce qui te prend, toi? Je suis juste tannée de te voir déprimée en train de blâmer le monde entier de ce qui t'arrive. À part ça, si on t'offre une nouvelle job de coach, où on va se retrouver, nous autres? À Pittsburgh, Vancouver, peut-être? Tu penses-tu à moi là-dedans? Écoute, Suzy, je vais prendre ce qui va passer, puis toi aussi! Hey, gagnon, parle-moi pas de même, OK? Tu as rendu que tu bois tout seul? Ah ben, sacrifice, le grand! Nathalie, porte-y un double. Oh, je suis content de te revoir, le grand. Puis, quand l'entraînement du national, paraît que Templeton, ça marche fort, son affaire? Ouais, ça marche. Voilà. Ah, j'ai rien contre lui. Non, 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 le problème est pas là. C'est juste que Pinard, il a engagé un nouveau soigneur pour le conditionnement physique. Ce gars-là serait même pas capable de taper un hockey si ça vient indépendant. Et pour ce qui est de la gueule, puis d'aller têter le coach, puis faire comme s'il rendait service à tout le monde, il est là. Non. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. On dirait que ça compte même pas. On a eu du bon temps ensemble, le grand, hein? Inquiète-toi pas. Ils vont se casser la gueule. Après ça, on va revenir. Marc? Marc? Oh, Suzy, qu'est-ce que je vais faire? Mon amour, calme-toi. La saison commence, personne ne savait que tu serais disponible. Oui, mais personne ne s'informe. C'est comme si j'existais pas. Ça doit être Pinard qui m'a brûlé dans la ligne. Lui, les cœurs, un jour, il va me payer ça. C'est toi qui as donné ta démission. Profite-en, laisse-toi vivre un peu. Suzy, tu comprends pas, j'ai passé ma vie dans le hockey. C'est tout ce que je sais faire. Exagère pas. Il y a bien des affaires que tu pourrais faire. Je sais pas, moi, tu pourrais être commentateur. Un commentateur de hockey. Veux-tu poser des questions à Pinard, à Templeton? Je suis là, moi. En janvier, les coachs vont tomber comme des mouches. En attendant, on a une chance de vivre un peu. C'est pas assez, ça. Je suis pas assez pour toi. Je sais bien, princesse. Une chance que t'es là. Alors, Jacques, c'est le début d'une nouvelle saison et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça risque de brasser chez le National. Hein? Oui, Jean-Paul, avec un directeur général aussi impopulaire et un nouveau coach. Et on se demande aussi si Templeton va faire oublier Marc Gagnon dans le cœur des partisans du National. Dans tout cela, il faut se souvenir que le National n'a perdu aucun de ses matchs hors concours. Des victoires très convaincantes. Tiens, je t'ai fait un sandwich. Merci. Tu regardes pas le match? Non, je regarde pas le match. Écoute, mais France, tu moins? Ben non, il me semble que t'es plus souvent ici depuis toi, ton appartement. Suzy revient quand, Montréal? Tantôt. Tu sais que t'as eu un autre téléphone de Jean-Marie Morin? Oui, je le sais. Bon, il faut que j'y aille.
Il lance et compte le premier but de l'année d'Étienne Tremblay. Ah, Jean-Marie, rentre. Salut, Marc. Salut. Ben, rentre. Merci. Ah, t'écoutes pas la game à TV? Non, non, j'écoute pas la game. Excuse-moi, hein, j'ai vraiment pas eu le temps de retourner tes appels. C'est toi? Merci. As-tu une bière? Non, non, merci. En tout cas, pour Maxime Morel, c'est toi qui avais raison. Il a pas duré longtemps que le National. Écoute, Morin, j'aimerais autant que tu ne me parles pas du National. OK? Marc, qu'est-ce que tu dirais de venir coacher les Draveurs de Trois-Rivières? Je le sais, c'est pas la Ligue nationale, mais on a besoin de quelqu'un. Sérieux? On a vraiment besoin d'un gars comme toi. On a vraiment besoin d'un gars comme toi. Je te dis, arrêtez pas de me dire ça. Non, mais tu me vois-tu coacher à Trois-Rivières? À part de ça, il est encore tôt dans la saison, hein? C'est pas dit que quelqu'un me fera pas un œuf d'ici Noël? Ben, j'espère que tu le mets à porte. Faut rester poli. J'ai dit que je penserais pour qu'il arrête d'insister. Puis, t'en as envie? Ben, voyons, si je pars à Québec, c'est pour le meilleur job. C'est pas pour me retrouver à Trois-Rivières coacher un club junior qui a fini en dernière position de sa division l'année passée. Ouais. Ben, c'est vrai que t'aurais l'air pas mal fou de prendre un job de coach avec des juniors. Bon, je suis pas le premier à qui ça arriverait, hein? À part de ça, on va te dire, dans le junior, c'est du hockey comme ça devrait jouer, hein? Du cœur puis des jambes. C'est sûr que passer l'hiver à tourner en rond dans la maison. Ouais, il y a ça. Puis il y a la fierté là-dedans, hein? Bon, pas une question de fierté. Oh non, je sais bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'en as envie! Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que t'en as envie, hein? Le maire, Yvan Sylvain. Et santé. Sa femme, Sylvie. Bonjour. Bonjour. Bernard Vachon, directeur des services sociaux. Je connais Pierre. Pour arriver à Marc, t'auras pas une nuée de journalistes sur le dos, ça n'aurait juste un mot. C'est ça, tu penses, mon pit? Marc Gagnon, ça reste une grande vedette, même à Trois-Rivières. Même à Trois-Rivières, Marc Gagnon, c'est une grosse vedette. Ce qu'on veut dire, c'est que nous autres, on est venus pour Marc. Dis donc, moi, tu fais. Salut, Marc. Salut, Lulu. Allô, Marc. Salut. Okay. Salut. Les gars, sont-ils arrivés? J'aimerais ça rencontrer l'équipe. Sont au vestiaire. On est heureux de t'avoir dans notre ville, Marc, hein? On a un vin d'honneur à 5 heures et tout le monde t'attend. Hein? C'est moi qui ai tout préparé. Il est vraiment temps que je rencontre l'équipe. Ouais. Excusez-nous. Tout à l'heure. Bonjour. Edgar Turcotte. Louis Turcotte, c'est mon gars. Il joue dans votre équipe. Ouais, OK. Écoute, Jean-Marie, j'ai oublié de te dire ça la dernière fois. Je viens à Trois-Rivières, je vais faire tout ce que je peux, mais si jamais j'ai un offre de la Ligue nationale, tu sais ce que je veux dire? Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter votre nouveau coach. Comment il s'appelle? Il va-tu durer plus longtemps que l'autre? Tu connais Maxime?
Lui, c'est Louis Turcotte. Joseph Brousseau. Bozo. Hervé Michaud. Pas nécessaire de présenter tout le monde. C'est ça, à glace que je vais voir qui c'est qu'il y a du guts, qui c'est qu'il n'y en a pas. À soir, on joue contre le Laser à Saint-Hyacinthe. Jean-Marie me dit que ça fait 2 ans que vous les avez pas battus. Ça sera une bonne affaire de changer ça à soir. Hein? Au fait, inquiétez-vous pas. Vous allez finir par le savoir comment je m'appelle. Ouais. Un autre coach. C'est pas n'importe qui. Justement. Tu penses qu'il a envie d'être coach ici, lui? Réveille le cadre. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça a été vite. Où est-ce qu'il est mon bureau? À part là-dessus, on va falloir éclairer ça, ce vestiaire-là. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Tu sais, on n'a pas les budgets de la Ligue nationale. Écoute, Jean-Marie, on va mettre une affaire au clair tout de suite. Si je suis obligé de me chicaner avec toi à chaque fois que j'ai besoin d'ampoules électriques puis d'équipement, j'aime mieux prendre mon char et sacrer mon camp chez nous. À part là-dessus, tu m'excuseras auprès du maire, mais je pourrais pas être là à 5 heures. Mais ils t'attendent, le Club des Cinq. Le Club des Cinq? Ben oui, le maire, c'est 4 associés, les propriétaires du club. Ouais, écoute, Jean-Marie, là, le social, c'est toi qui s'occupe de ça. Où est-ce qu'il est, mon bureau? T'es en plein dedans, mon maire. Bon, OK, les gars, soit c'est un peu spécial, on se connaît pas. Faites de votre mieux, puis il n'y aura pas de problème. Il y en a fait, je vais vous dire tout de suite, j'aime ça coacher du monde qui joue en équipe, puis pour gagner. OK? Come on, let's go. Come on, boys. Come on, boys. Let's go. Hein? Let's go, boys. Come on. Avec ce que je t'ai vu faire au camp des recrues du National, tu dois faire la pluie puis le beau temps, hein, Junior? Ça se fait que vous traînez toujours en dernière place. On aime ça. Morel, tu devrais être le dernier à rire. T'as été sur la glace pour 3 buts en plus des punitions stupides que t'as pris. Demain matin, 9 h, pratique. Personne en retard. Hey, demain, on joue sur la route. Vous vous reposerez sur l'autobus. Hey, fais-toi-en pas, tu vas l'avoir, mon papier, OK? Écoute, je te rappelle.
Bienvenue dans le junior. As-tu d'autres choses de plus intelligentes, dire? Qu'est-ce que tu vas faire avec Morel? Morel, c'est un joueur, j'en ai d'autres à m'occuper. Ouais, mais sans Morel, t'iras nulle part. Où est-ce qu'il reste, lui, Morel? Comme les autres, en pension dans une famille, tu sais, ce qui fait un peu de surveillance. Il y en a plusieurs qui font leur cégep. Programme spécial qui s'appelle Sport-Études. Pousseau est un de ceux-là. Oui, puis comme dans ton temps, quand le hockey était la seule porte de sortie pour des gars comme toi. Fais-toi-en pas, le hockey, ça a pas changé. Puis dis-toi bien qu'il y en a pas un dans ce vestiaire-là qui rêve pas un jour de jouer dans la Ligue nationale. Les gars, va falloir comprendre que si on joue pas ensemble, on n'arrivera à rien. Ça, on l'a déjà entendu. Ouais, mais là, tu vas le vivre. Jouer en équipe, ça veut dire frapper puis scorer ensemble. Pas un soir puis l'autre soir. L'autre game, quand Bozo s'est fait planter par les goons du laser, ce que j'ai pas pris pis que je prendrai jamais, je vous avertis tout de suite, c'est que Turcotte pis Falardeau regardaient les estrades. Turcotte, que c'est tu regardais les estrades? Comme si ce gars-là jouait pas avec toi. Jouer ensemble, ça veut dire manger des coups pis scorer ensemble. Pis je vous avertis tout de suite, je vous lâcherai pas tant qu'on sera pas rendu à la Coupe Memorial. C'est clair? On se retrouve sur l'autobus. Camille, ça n'a pas l'air fort fort, ça, hein? Il est plus vaillant qu'il en a l'air. Donc, Jean-Marie, chose, le grand Delorme, là, il est plus là, lui? Ah non, c'est vrai. Il a lâché. Il a décidé d'arrêter pendant un an, continuer ses études. Il est parti comme ça. Ben oui. Je comprends qu'on n'est pas dans la Ligue nationale, mais... Bon, les gars, un peu d'attention. Rousseau, lâchons ton livre un peu, là. Hier soir, à Saint-Hyacinthe contre le laser, ça n'a pas été trop fort, hein? C'est pas mêlant. Contre Saint-Hyacinthe, on perd tout le temps. À soir, contre Shawinigan. Contre Shawinigan, on perd tout le temps. Ta gueule! Ta gueule, quand je parle! Je veux plus entendre parler de défaite dans l'autobus, le vestiaire, l'aréna, et surtout pas dans ma face! Tu sais, je te l'avais dit que ça serait pas facile, hein? Quand tu perds systématiquement... Jean-Marie, t'as pas compris ce que je viens de dire? Je veux plus entendre parler d'équipe perdante. Ce club-là va se rendre jusqu'à la Coupe Memorial, puis il faut que tout le monde ait la même attitude. À commencer par toi. OK? OK. Henri, monte la musique un peu, que le monde sache qu'on est là. Ta gang de plomas, là, longtemps, tu peux être sûr de ça. Hey! Éveillez-vous un peu. Ça va vous empêcher de faire des cauchemars si vous rêvez à la game qu'on vient de jouer. Les systèmes que je passe des avant-midi à faire, mettez-les dans la pratique le soir d'un game! Sinon, les gars, vous vous rendez pas à Noël, hein?
Puis Morel, sacrement, au moins, tiens donc ton hockey dans les airs, tu vas avoir l'air un peu plus travaillant. Laissez mon gars sur le banc, ça donnera rien. Il va s'entêter, vous aurez rien de lui. Je le sais, l'année passée, le coach a fait la même chose. Ah, écoutez, M. Turcotte. Il a fallu que j'y parle dans le blanc des yeux. 3 ans que sa mère puis moi, on le supporte. On suit toutes les games. J'en ai pas manqué une, pas une. Ouais, ben vous pouvez manquer la prochaine parce qu'il jouera pas. Par rapport à ça, à l'avenir, c'est moi qui vais lui parler dans le blanc des yeux. M. Gagnon, je veux pas qu'il lâche. S'il joue pas, là... S'il veut lâcher, ça va être sa décision à lui. OK? À part de ça, je peux-tu déjeuner en paix, là? Toujours bien des limites. Bonjour! Viens ici! Faire appeler Bozo toute ta vie, toi? T'es un des rares gars sur ce club-là qui a du cœur. Essaye donc d'en donner aux autres au lieu de toujours faire des farces plates. Parce que fais-toi pas d'idée, hein? Les gars, ils pas de tes farces, ils rient de toi. Ça va-tu être Hervé ou Bozo? Ouais, vas-y. OK, on continue! Plus beau est lancé! Ça va mal. Bien sûr, je le sais, figure-toi là. Turcotte, vas-tu le garder longtemps sur le banc? Son père t'a parlé, c'est ça? Sa blonde vient de le laisser, là. Il file pas, il a envie de tout lâcher. Écoute, Jean-Marie, quand il vient te voir, envoie-moi les, parce que entre toi, le père, leur argent, puis le blonde, ces gars-là, ils savent plus où est-ce qu'ils sont. Comprends-tu ça? À part de ça, là, tu devrais peut-être t'occuper un peu plus de Pierre Plouffe. Ces articles nous font pas de bien au conseil de ville. Ouais, parlant du conseil de ville, tu diras au maire Sylvain qu'il sorte son cash parce que ça me prend un soigneur. Puis vite! Marc, arrête de t'inquiéter. Ça pourra pas continuer longtemps comme ça. Mais écoute, ils peuvent quand même pas te mettre à la porte, hein? Je peux pas tomber plus bas, tu veux dire? Marc Gagnon, t'es dans l'hockey depuis assez longtemps, tu sais bien que ça va s'arranger. Vous allez leur parler, moi, à tes juniors. Nounou, il est venu à la maison hier. Imagine-toi donc qu'il a quitté le National. Nounou a quitté le National? Mm-hmm. J'ai donné ton numéro ici. Hey, je vous présente votre prochain soigneur. Le meilleur du hockey professionnel. Nounou, notre gang. C'est ce que vous attendez? Faut que tu te cours aussi vite demain, Marc. Hey, au vertier avec sa grouille. Si vous me connaissez pas, vous allez me connaître. Hey, juste la ligne à Morel. Envoyez aux douches. De toute façon, il n'y a rien qui se passe avec vous autres le matin. Les autres, je reviens tantôt. Oui, oui! Marc! Aidez-moi, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Marc, t'empiètes sur mon budget. J'aime pas ça, t'arrêtes de m'en parler. Veux-tu ma démission? Non, ouais. Il s'agit pas de ça, là. Jean-Marie, j'ai besoin de quelqu'un qui est en contrôle dans le vestiaire. Le vieux, il l'a pas. Nounou, il a passé sa vie dans le vestiaire. Ça va lui faire quelqu'un à qui parler? Je veux que ces gars-là, ils se rapprochent, qu'ils sentent une équipe. Parce que tu le sais peut-être pas, mais il y en a qui vont aller loin. L'équipe a besoin de lui, moi, j'ai besoin de lui. As-tu d'autres choses le matin, là? Mais là, mais là.
Hey, relax, Rousseau! Hey, tu peux bien parler, toi! Avec ton hostie de punition, tu nous as coûté le match. On les avait. Hey, hey, hey! Calmez-vous, les gars, là! Assis! Pas de votre faute, les gars, vous la méritiez, celle-là. Vous n'avez pas été chanceux, c'est tout. Bon. OK, gars, c'est à nous autres, celle-là. Vous avez rien à vous reprocher. On est bon, on est juste malchanceux. Toi, tu recotes tes grands gueules en dehors de la glace, mais quand il s'agit d'aller chercher le puck dans le coin, par exemple, je me demande si je devrais pas faire jouer ton père. Y'a pas grand monde à soi au Colisée, hein? C'est ça. T'es qu'il est là que c'est de ma faute. J'ai rien contre toi, Marc. Même si on s'aime pas fantastique, je connais assez de hockey pour voir le travail que t'as fait. Mais le maire pis le club des cinq, c'est des investisseurs. Financièrement, le club va mal. Tu feras pas long feu si vous commencez pas à gagner. Tu diras au maire que si ça continue comme ça, c'est moi qui vais partir. Allô? C'est pour vous, monsieur Gagnon. Ouais. Nuno? Ah ouais? Bouge pas, j'arrive. Et l'autre de parti, gars! Yeah. Tiens. Viens, on va rire. Les gars, le coach! Oh! Ouais, une petite veillée sur la galerie, ça va lui faire du bien. T'auras pas trop de problème avec les marégouins, soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend une bière. La veille qu'il apprenne vite sa bière. Ah, ils vont geler. C'est de valeur. Bon, ça va être encore bon, 5 minutes. Ah, oh, ils ont bon. C'est fait fort, ces gars de laser. Hey, c'est tes clés! Colisse-moi, c'est en dedans. Ah, faites bien. Bon, on y va. Donc, on reste. Les gars, ils s'en vont! T'as pas de bâtard. Tu me signes une game de peau? Envoye donc. Pourquoi pas? On a le temps à masse. Bon, casse-nous ça, là. Hein? Ils partent pas! Quoi? Mais non, ils jouent au pool! Qu'est-ce qu'on fait? On gèle! Un peu de peuple là-dedans. Ah ouais, quoi, hein? Okay, là? Allez, on va mourir, le crier un peu. Hein? Hey, les gars. Faites attention au courant d'air, hein? La grippe est mauvaise, ce temps-là. Ça commence à ressembler un chemin de croix? Ouais. C'est toi, l'épine. Si tu donnais plus de glace à Morel. Non, Morel, il te paye-tu pour que tu parles de lui? Morel, le monde l'aime. C'est le seul qui peut remplir l'aréna. Moi, j'ai pas envie de voir le hockey disparaître à Trois-Rivières. C'est pas moi? Oui, allô? Quoi? Quand? Avec qui? OK, merci. C'est Morel, il y a eu un accident d'auto. Avec la femme du maire. Chris! Yves! Docteur Chicoine. J'aimerais le garder en observation une journée ou deux. N'inquiétez-vous pas, il devrait être sur pied très bientôt. Merci, docteur. J'aimerais savoir ce que tu vas écrire dans ton journal. La vérité.
Ouais, mais c'est parce que si t'écris ça dans ton journal, tout le monde va te savoir pour la femme du maire, mais lui, Morel, il va être catalogué dans la Ligue nationale, puis ça, c'est pas trop bon pour lui. Hein? Je veux pas te dire comment faire ta job, là, mais si tu dis rien, le maire va t'en devoir une, puis moi aussi. Je sais que t'as pas une grosse opinion de moi, mais je fais pas des journaux genre. OK. J'aimerais ça être seul avec. Ouais, mais j'aimerais ça savoir. OK. Docteur dit que t'as la tête trop dure, ça fait que t'es correct. Je sais. Ça a l'air qu'ils vont te garder une couple de jours. Veux-tu que je te porte des affaires? Y a-tu quelqu'un qu'il faut prévenir, un parent? Non. T'as pas de famille du tout? J'ai une soeur, mais ils l'ont mis en adoption. Fait que je sais pas ce qu'elle a. Autre chose que tu veux savoir. Pas de ça, crise dans ton cœur. Pas parce que t'es mon coach que t'as le droit d'être ici. Ah, pas de problème. Je m'en allais. Parfait. C'est bien correct avec moi. Moi aussi. Parfait. Qu'est-ce que ça contre le monde entier? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas dans ta game? Peut-être que t'arrêterais d'être un hostie de loser! Hey! Je suis pas un hostie de loser. Je pensais que j'étais la tête la plus dure que je connaissais. Je trouve que tu pourrais me donner des leçons. J'ai passé toute ma vie avec la peur de perdre le cul. Parce que tout ce que j'avais, c'était ma vitesse puis mon envie de gagner. Sans ça, j'étais rien. Puis je le sais que t'es comme ça. Ça fait que tu peux m'écœurer tant que tu veux. Mais tu vas finir par gagner. Comprends-tu ça? Parce que je le sais que dans le fond de toi, c'est ça qui te brûle. Femme du maire, ça valait-tu la peine? Le club des cinq s'est trompé royalement en allant chercher une réputation au lieu de prendre quelqu'un qui est impliqué dans le milieu junior depuis longtemps. Le hockey a jamais été aussi bas à Trois-Rivières. Regarde-la aller, c'est un petit plouf. Joignez à ça le fait que Conrad Saint-Onge, un des plus gros actionnaires du club, fait faillite le mois prochain et demandez-vous s'il va y avoir encore du hockey longtemps à Trois-Rivières. On peut pas dire qu'il nous aide beaucoup. Marc, j'ai parlé au maire Sylvain, là. Il y a rien, là. Tiens, je l'ai apporté le matin. Ça va te faire plaisir, tu vois que t'es pas tout seul dans le trouble. Je leur ai dit, mais ils m'ont pas cru. Ça te manque pas, le National? Tu fous, Jean-Marie? Hey. Je suis juste bien content de pas être là, parce que ça, là, c'est l'enfer. T'es prête, Morel? Maza. Bonne fête, Max. Es-tu content? Tiens, Max, on t'a fait un petit cadeau. Elle va être moins dangereuse que tu sais. Tête dure! Ah, c'est pas grave, amusez-vous. Le party, c'est pour tout le monde. Hein? Je sais pas pourquoi vous jouez au hockey, vous autres. Seulement quand t'es rendu junior, ce que t'as envie, c'est d'être repêché, jouer dans la Ligue nationale, devenir une vedette, gagner quelque chose. Vous autres, y a rien de ça qui vous intéresse.
Au lieu de manger des coups de bâton, des tapes à la gueule, pourquoi vous restez pas chez vous aussi bien tranquille? Hein? Au moins, vous feriez pas abîmer vos hosties petites faces de loser. Pas tanné de parle. En tout cas, pensez-y. Parce qu'après la soirée, moi, je serai plus là. Parce que moi, je suis tanné. Je savais qu'il t'en ferait pas longtemps. Max, t'es pas tanné de parle? Oui. Quoi? Oui, je t'en parle. Ben, tu gagneras pas tout seul. Les gars, on en gagne-tu une? Rien qu'une! Caisse, pis vite! Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu nous écœures, hostie? Pourquoi je vous écœure? Vous en gagnez une sur 14, puis vous pensez que vous êtes arrivé? Ben, je vais continuer à vous écœurer. Moi, continuer à vous écœurer jusqu'à temps que vous rappeliez plus c'est quand, la dernière fois que vous avez perdu. Moi, vous écœurer jusqu'en finale, s'il faut! Parce que je le sais, vous êtes bon. Je le sais, vous êtes capable de gagner. Lolo! Bien chacun quand je serai parti. La direction du National soit venue nous voir jouer, mais on vient de me confirmer que c'est moi qui vais coacher l'équipe d'étoiles juniors du Québec contre celle d'Ontario. Puis il y a trois joueurs des Draveurs qui ont été choisis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, puis c'est pas tout, hein? Lucien Boivin dit dans le matin que quand on parle de moi à Pinard, il devient vert. Ouais, je te le dis.
Je suis bien contente pour toi, Marc. Ben oui, je vais être là. Hein, je vais être revenue de Montréal. Moi aussi, je t'embrasse. Bye. Suzy, pourquoi tu lui as pas dit? Ben, il t'a tellement pris dans tous ses succès de hockey, t'aurais dû l'entendre. Un vrai enfant. Justement, t'es enceinte. C'est merveilleux. Marc va être fou de joie. C'est pas quelque chose qu'il se dit au téléphone. Puis je suis pas si sûre qu'il va être si content. À son âge, on est plus conservateur. Puis il disait assez qu'il recommencerait pas avec vous autres. Tu te fais des idées. Tu penses pas à... Mais non. Je te le dis, je vais lui dire quand le moment va être le bon. C'est mon privilège, hein? Oh, Suzy, je suis tellement heureuse pour toi. Parce que t'es comme ma sœur. C'est la sœur que j'aurais voulu avoir. Viens, on va aller fêter ça. Moi, je te dis, je suis sûre que Marc va exploser de joie. Marc, excuse-moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, je voulais pas t'insulter. Oublie ça, Marc, c'est du passé. Comment ça marche avec la nationale? Ça va mal. Pire que tu penses. Les échanges que Pinard a faits nous ont mis dans la merde. C'est toi qui avais raison, Marc. D'ailleurs, tu dois te douter un peu pourquoi on est ici. Non, pourquoi? Lundi prochain, le National va annoncer que Maurice Pinard est relevé de ses fonctions de directeur général. La job est à toi. T'as rien qu'à dire oui. Es-tu sérieux? Oui, c'est le conseil d'administration qui m'envoie. J'ai besoin de ta réponse avant dimanche soir, 6 heures. T'es vraiment sérieux? Si j'accepte, vas-tu être là? Anytime. Ouais. Je vais y penser. Ça va, Nounou? Ah, ça va, ça va. Ça va, mais je commence à être tanné d'être ici, là. Ah ouais? J'ai une bonne nouvelle pour toi, mais faut pas que t'en parles à personne. Regarde, tu me connais? Tu parles au futur directeur général du National de Québec. Au futur directeur? Tu me fais marcher? Ça va être officiel lundi. C'est extraordinaire, le grand. S'il y en a un qui le mérite, le grand, c'est bien toi. Le National, Québec, puis je reviens par la grande porte. Mon Dieu, de champagne, qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Ah oui, mais ça tombe bien parce que moi aussi, j'en ai un. Ah ouais? Mm-hmm. Hein? Vas-y. Non, vas-y. Si je veux, je peux devenir le prochain directeur gérant du National de Québec à partir de la semaine prochaine. Ah oui? Elle savait. Elle savait que ça arriverait. Le sacrement de Pinard. Il s'est pendu lui-même. Il n'y a plus personne qui veut rien savoir de lui à Québec. Mais qu'est-ce qui se passe avec les draveurs? Ben, je mets tes questions que je pose mes biens à toi et bien. Ma place est dans la Ligue nationale, tu sais. Ben oui, mais les draveurs? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, les draveurs? Mais Marc, tu sais très bien que si tu pars pour eux autres, c'est fini. Ben voyons, non, Suzy, exagère pas, franchement. Ils ont confiance en toi. T'as passé l'année à leur dire qu'il fallait qu'ils se tiennent, qu'il fallait qu'ils travaillent en équipe. Plutôt que si tu fais la première occasion que toi, t'es laissé tomber. Tu peux pas faire ça. Ben, je veux pas passer ma vie à jouer au père avec des juniors. J'en ai, des enfants sont élevés, c'est fait, là. Ce que tu comprends pas, Suzy, c'est que c'est la chance de ma vie. Enfin, je l'ai, la job. C'est moi le boss. Puis je vais régler mes comptes une fois pour toutes. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de te battre? Depuis que je te connais, que t'en veux à tout le monde. Quand c'était pas mon frère Pierre, c'était Guilbeault, puis là, c'est Pinard. Marc, je pensais qu'on pouvait changer de vie un peu, qu'on pouvait bâtir autre chose que de la vengeance puis de la chicane tout le temps. T'as pas le goût de ça, toi? Comment ça, changer de vie? Qu'est-ce qui te prend? C'est une occasion en or, ça. Ça se refuse pas. Suzy, la Ligue nationale, tu sais ce que c'est?
quoi ta nouvelle, toi? C'était rien. Non, non, c'était une affaire de business, pas important. Excuse-moi, je me sens pas tellement bien. D'abord, on passe à Radio Communautaire pour une ligne ouverte. Ensuite, mardi, on passe à Sport Hebdo. Jean-Marie. Quoi? J'ai eu un offre pour tourner avec le National comme directeur gérant, puis je vais accepter. Non. Dis-moi que c'est pas vrai. Faut que je donne ma réponse avant dimanche. Je te l'avais dit que ce serait temporaire. Puis là, l'équipe est repartie. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous abandonner. Jean-Marie, je t'ai jamais rien promis. C'est vrai. T'as raison. Mais c'est pas moi qui vais leur annoncer ça. Va leur dire que t'as raison. Les gars, dans la vie d'un entraîneur de hockey, il y a des opportunités qu'on peut pas laisser passer. On m'a offert le poste de directeur gérant du National de Québec et puis j'ai accepté. Je voulais vous dire que j'ai toujours été fier d'être votre coach, même dans les moments difficiles. Mais ça, c'est une chance que je peux pas laisser passer. Salut, le grand. Rentre. Je suis venu te voir. Les gars se posaient des questions en pratique. Morin m'a dit que tu filais pas. Ouais, je vais leur dire un soir. Marc, t'es mon ami. Puis la Ligue nationale, là, t'as mérite. Tu t'es fait assez chier. Ouais. T'as travaillé assez dur. Tu leur dois rien, Marc. Ouais, je sais bien. Je te connais, Marc. T'as le cœur trop grand. Mais là, là, c'est le temps de choisir pour toi. Ouais, je vais leur dire un soir. Inquiète pas, Nounou, je vais leur dire. Assoir, Shawinigan. On leur a collé, c'est un hostie de bol. All right! Pas loin d'arrêter le gros binette. Faut m'en occuper, moi. Les gars, Marc, le coach aura pu. Il vient de se faire offrir le poste de directeur général du National. À soir, c'est moi qui vais coacher jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau coach. Tu diras combien de savoir comment il s'appelle? Je le sais que c'est dur. Mais dans le hockey, tu laisses pas passer une opportunité comme celle-là. Puis Marc, c'est un gars de hockey. C'est un esti de beau crosseur. Québec, s'il vous plaît.
Suzy. Pas duré toutes ces années-là pour te laisser tomber. Il me semble qu'on va dans la mauvaise direction. Ensemble jusqu'à la coupe! All right! Ouais! Ouais!